Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, je suis boucher charcutier à Orléans-la-Source et j'ai une passion, c'est la passion de la bicyclette, du vélo, de tout ce qui concerne le vélo, tout ce qu'on pouvait mettre dessus, voilà, l'ensemble de la bicyclette. Voilà. Alors celui-là, c'est un vélo Alcyon des années 1910. Et si, il est dans son jus, hein, avec la peinture d'origine et tout. Alcyon, et c'est vraiment un beau vélo, il tourne super bien. Et avec ça, j'ai fait deux fois le tour de Bretagne. Et puis beaucoup de randonnées avec, quoi. Voilà. Ah, la plaque est superbe, une superbe plaque Alcyon. Alors l'histoire du vélocipède, après la Drésienne qui avait été inventée en 1818 par le baron Drey, après vers les années 1860, il y a Pierre Michaud qui a inventé la pédale, donc avec qui a mis des pédales sur la roue avant. Et donc celui-là date de 1865, c'est un original, voilà. Il a été fabriqué à Saumur, voilà, boulevard d'Angers. Et c'est avec ce vélo-là que le 10 décembre, là, cette année, on fera la rétrospective de la première course au monde qui a eu Paris-Versailles. Sinon, la passion du vélo a commencé par un premier voyage en 1974 avec mon club Orléans Cyclotouriste. J'ai fait un voyage de 2500 km, j'avais 15 ans, et la passion du vélo a commencé cette année-là. Et après, j'ai fait des randonnées, j'ai fait beaucoup de randonnées avec ce club, et j'ai fait des voyages à vélo. J'ai fait un Orléans-Cap-Nord, Tour d'Islande pendant 10 mois, une dizaine de mois, avec qui je suis parti avec une amie. Je cherchais un tandem et dans un journal, et je suis tombé sur un triporteur à vendre que j'ai été tout de suite acheté. Et là, ça a vraiment démarré là où j'ai eu la passion des vélos anciens, où j'en ai eu 2, 3, 4 et maintenant j'en suis à 70 ou 80 vélos. Mais je cherche un petit peu dans tout l'histoire du vélo, tout ce qui est un petit peu, tous les vélos un petit peu qui sortent de l'ordinaire, quoi. Voilà. Cette année, au mois de mai, on a fait une rétrospective de la Drésienne, pour la Drésienne, et on est allé faire 250 km de Nancy à Karlsruhe. Voilà. Et ensuite, on avait un rendez-vous international et on s'est retrouvé à 400 vélos du monde entier. Du monde entier, voilà. Et c'était très très sympa, c'était un moment très très fort. Voilà.